pas ton nom pour être parmi les siens. Il n'a pas regardé les autres, mais il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom pour être parmi les siens. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel t'a porté à l'éclat favorable sur toi. Parce qu'il t'a aimé dès le sein maternel. Il t'a appelé par ton nom pour que tu sois dans sa, tu sois parmi le sien. Tu sois parmi le race de vainqueur. Dieu n'a pas regardé, mais il t'a choisi, toi et moi. Comment ne pas lui rendre grâce? Comment lui dire merci à ses grands dieux? Alléluia. Mais nous oublions de foi qui nous sommes réellement. Alléluia. Ce message, c'est juste une façon de nous rappeler notre identité. Des fois, nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes réellement devant ce grand Dieu. Le thème de mon message, c'est le vase d'honneur. Alléluia. Le vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mes bien-aimés. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Lui qui est le potier, nous sommes des vases. Alléluia. Un vase, c'est quoi? Un vase, c'est un récipient pour le liquide. Alléluia. C'est un récipient, mais notre Dieu nous considère comme des vases. Parce que c'est lui qui nous a façonnés. Il nous a pris entre ses mains. Il nous a donné la forme que nous savons. C'est lui le potier, nous sommes des vases. Alléluia. Si nous nous laissons nous-mêmes nous façonner, nous allons buter. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans la journée se passe la nuit dans le spirituel. Alléluia. Amen. Si nous gagnons le spirituel, nous pouvons vaincre la chair. Mais si nous n'arrivons pas à vaincre le spirituel, la chair va prendre le dessus sur nous. Alléluia. Prenons notre Bible, livre 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. S'il y a un bon lecteur peut lire. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Je veux le nom de Jésus. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. À la parole du Seigneur. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont de vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Nous savons dans une maison de l'aimé, il y a plusieurs vases. Mais il y a d'autres qui sont des vases d'honneur, d'autres sont des vases d'argent. Mais Dieu, qui est notre Seigneur, nous qui sommes le vase, nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est la maison de Dieu. Nous sommes des vases d'honneur à l'égard de notre Dieu. Dieu nous dit que dans toute maison, c'est Dieu qui est le façonneur. C'est Dieu qui façonne. Il nous donne la forme qu'il veut. Dans chaque maison, il y a plusieurs sortes de vases. Toutes les vases ne sont pas pareilles. On est nombreux dans ce lieu, mais on n'est pas pareil. Alléluia. Dieu a donné à chacun de nous la forme qu'il veut. Alléluia. D'autres, Dieu nous a appelés dans le ministère. D'autres, Dieu nous a appelés dans d'autres choses à faire. Mais nous sommes dans une maison qui est la maison de Dieu. Mais il y a plusieurs sortes de vases. Dieu a réparti selon sa volonté la manière de former un vase. C'est comme sa volonté. La manière dont Dieu a pris les dons, les former. Papa, j'espère que c'est le don que Dieu a pris pour me former. Dieu a pris les dons, les former, papa. Et Exupéry, ce n'est pas des dons que Dieu a pris. Il a façonné tout et chacun selon sa volonté. Lui, il veut que maman Mado soit comme ça. Dieu l'a façonné comme il est, comme elle est. Dieu a mis en elle ce qu'elle veut qu'elle soit. Sachant que maman Mado, dans la vie, elle sera ma servante. Dans étant face de Dieu, Dieu a équipé aussi sa servante d'une autre manière que tout et chacun de nous. Alors, quand elle déclare, le vase est différent des uns des autres. Chacun de nous, Dieu nous a façonné
selon sa volonté. Alléluia. Nous ne pouvons pas être pareils. Même étant mariés, la façon dont ma mère a été formée, c'est pas la même façon dont j'étais formé. Alléluia. Dieu a pris son temps. Il a formé ma mère de sa manière. Il m'a formé aussi de ma manière. Chacun de nous est unique de sa façon. On n'est pas pareil. Même les jumeaux que nous voyons, ils ne sont pas pareils. Alléluia. Ils sont des jumeaux, mais ils ne sont pas pareils. Mais chacun, Dieu a pris le temps. Ils ont sorti le même jour. Mais chacun d'eux a sa particularité. Ils ne sont pas pareils, ils sont des jumeaux. Mais la façon de concevoir, la façon dont Dieu a pris le temps de faire de chacun d'eux le face, chacun d'eux a sa façon d'être. Il y a quelqu'un d'autre, toi, il y a des jumeaux, l'autre est gentil de méchant. Alléluia. Pourquoi ils sont sortis le même jour, ils n'ont pas le même caractère. Ça, c'est le mystère de Dieu, que je n'irai jamais comprendre. Alléluia. Soyons comme la Gilbert, nous devons être comme la Gilbert. La Gilbert, c'est comme la terre. Que laissons Dieu nous façonner comme lui veut. Alléluia. Si nous nous laissons nous-mêmes nous façonner de notre manière, nous allons péter. Alléluia. Parce que nous avons, parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre les chairs, la chair et le sang. Contre les principautés, contre les dénominations, contre le lien, dans le lien, contre les dénominations, mais c'est la raison pour laquelle l'esprit de Dieu va être prôné sur nous. Que nous marchons sur l'esprit. Afin de ne pas raconter les lâchères. Alléluia. Au verset 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Mais Jésus nous a sanctifié pour de bonnes œuvres. Il s'est donné avant-son pour nous. Il s'est donné avant-son pour que nous soyons purs devant lui. Il nous a sanctifié pour de bonnes œuvres. Mais nous sommes les intendants. Alléluia. Nous ne sommes que les gérants. Mais le maître suprême, c'est Jésus-Christ. Nous, nous sommes là pour gérer. Mais celui qui est notre chef suprême, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il nous a façonné pour sa gloire, pas pour notre gloire. Alléluia. Il nous façonne, il met en lui ton esprit pour qu'un jour, lui seul se réjouisse de ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Parce qu'en te faisant en face, il a mis les capacités surnaturelles dans ta vie. Pour que pendant ton séjour dans ce monde, pour que tu gagnes ça. C'est la mission première qu'il nous a donnée. Il nous a formés pour gagner premièrement les âmes. Pas pour regarder les richesses de ce monde ici qui est éphémère. D'abord, pour la mission première, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Notre mission première, c'est d'être les âmes. Dieu t'a équipé. Il t'a équipé, sachant que pendant ton séjour dans ce monde, tu rencontreras des tribulations. Mais si je te laisse comme ça, tu peux tomber par ta foi. Dieu t'équipe par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Il t'a donné la mission, c'est que dans ce genre de mission, il faut une forme de prière. Alléluia. Il t'a façonné, c'est que cette mission-là, si tu n'as pas une forme de prière, tu vas tomber. Il a mis un esprit de prière en toi pour que tu puisses prier pour résister contre le risque du malin. Alléluia. Alors, pour laquelle je dis que chacun de nous est unique de sa manière. On n'est pas pareil. Alléluia. L'autre personne que Dieu a donné la soif de la parole. Alléluia. Ça veut dire qu'il est temps de lui partout où il va, il est avec sa Bible. Ça, c'est la grâce que Dieu lui a confiée. Ça veut dire qu'on n'est pas pareil, on est les vases. Chacun de nous a sa particularité. Chacun de nous a sa façon que Dieu a conçue. Qui est unique à son genre. Si nous regardons les pompes de main, chacun de nous, aucune pompe de main ne semble à l'autre. Alléluia. Chacun de nous a sa manière d'être. Dieu nous a créé unique en ton genre. Je veux te dire, même les jumeaux ne sont pas pareils. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire voir la grandeur des écritures. Ils sont sortis le même jour, mais ils ne sont pas pareils. Alléluia. Et, mais nous devons nous laisser comme l'argile. Alléluia. L'argile au même d'un potier, le potier donne la forme à l'argile, la forme qu'il veut. C'est-à-dire, comme la forme l'argile, il prend la terre, il façonne la terre. Il donne la forme qu'il veut. Nous étant, notre Dieu étant le poutier. Nous, nous sommes l'argile. Ton petit candidat, il est à ça, la bouche, le même réalité. Alléluia. Mais le son de l'église, nous sommes ça, la bouche, au moment nous allons poutier. Nous allons marcher selon les désirs de ces mondes. Alléluia. Mais si nous laissons Dieu nous façonner selon sa manière, mais nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais si Jésus, Paul avait dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il s'est donné sa vie pour Jésus. Il s'est dit qu'il a laissé Jésus conduire sa vie. Parce que Jésus sait que dans toute notre tribulation, Paul ne combattait pas. C'est Jésus qui combattait pour lui. Alléluia. Il a confié sa vie à Jésus, sachant que toutes mes
pour toutes mes difficultés, tous mes combats, il a confié ça à Jésus. Alléluia. Pendant qu'il y avait une tribulation pour sa vie, ce n'est pas lui qui combattait, c'est Jésus qui prenait la première place. Sachez que lui a su que Seigneur, moi je n'en peux rien. Je te confie tout ce qui m'est, tous mes fardeaux, je te confie. Alors c'est pour lequel, devant les premières tribulations, je me souviens, mais il y avait même une histoire de la Bible. Paul a été piqué par un serpent. Les gens qui étaient à côté croyaient que la nouvelle devait entrer pour tuer Paul. Mais comme Paul, son corps était un corps d'esprit, ça n'était pas arrivé selon l'esprit, pas dans les chairs. Ça ne changeait le monde, ils ont pas été si bien, je ne sais pas de pire, tu ne peux jamais être dégoût. Mais Paul m'a dit de ne laisser pas la piquer, il était dégoût. Parce que le Seigneur a pu, ne sert pas plus de venin, et les a neutralisés. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant, bien aimé. Disons Romains chapitre 9, vous allez m'excuser, on aura quand même quelques versets aujourd'hui. Romains chapitre 9, verset 21. Alléluia. Il n'est pas aimé mon cœur, mais il mène sa
s'habille comme un païen. Mais nous, nous avons la grâce d'être des grands citoyens de Dieu. Nous avons l'aimé. Tout foutre le côté. Alléluia. Tout foutre et le côté pour nous avons au moins où il y a une sika, où il y a des conséquences. Nous n'avons rien pu bien aimer. Et ça, quand on nous a appelé ce biseau, faveur imméritée, qui est cette grâce. Tout foutre le côté. Quand on a voulu mon aïe, à lui était, par rapport à ce qu'on a voulu. Alléluia. À ce qu'on a voulu. Par rapport à mon aïe. Alléluia. Qu'est-ce que tu as payé? Mais ça doit être le même, le souffle de vie. Tu peux manquer un témoignage. Même le souffle de vie, c'est un témoignage. Mais quand tu vas dans l'hôpital, beaucoup luttent entre la vie et la mort. Beaucoup luttent, mes amis, entre la vie et la mort. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. D'accord. Alléluia. D'accord. Ce qu'on a dit, mon copain, là, ça fait aussi 5 ans, là. Alléluia. Que pas des autres. Mais ça, quand on ça veut apporter favorable sur toi. Il veille sur ta vie. Parce que tu n'oublies pas dans ta cœur que j'ai un Dieu. Rien que le fait de souvenir qu'il y a un Dieu. Et porter les cas sur toi. Parce que toi, tu témoins que j'ai un Dieu. Ça donne lequel lui porter les cas sur toi. Alléluia. Quand tu dors, tu ne sais pas le combat que lui met pour toi. On l'appelle Jéhovah Sabaoth. Alléluia. L'éternel des armées. Alléluia. Quand nous dormons, nous ne savons pas le monde de tes dans le monde. C'est celui qui se passe. Mais notre Dieu, il fait sur nous. Il fait sur nous. Ma Bible déclare, il est dans le sommeil. Alléluia. Il fait sur nous. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des phases de colère prises pour la perdition. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu nous aime. Alléluia. Il y a deux phases qui vont vers la personne parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. De marcher sur la volonté de Dieu, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais nous, Dieu nous a formés et tant de phases d'honneur. Parce qu'en ce moment-là, comme nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons confessé sa Seigneurie, il nous donne le salut. Alléluia. En nous donnant le salut, Dieu nous transforme de sa manière. Il nous façonne comme lui veut. Bien-aimé. Notre monde a voté par le gouvernement. Ça, on a dit, mais on a cassé dans la face. Alléluia. Tout le monde est malade, tout le monde est malade, tout le monde est malade. Alléluia. Mais tout le monde est un marque et un marque. Moi, je n'ai pas le pouvoir de voir les choses invisibles. Mais c'est lui qui voit les choses invisibles. Parce que sa parole déclare les choses révélées sont en vous. Mais les choses cachées sont en moi. Elle a compris plus fort de raison. Il y a des choses cachées. Il y a des terres, il y a des combats cachés que moi, je ne vois pas. Mais lui combat pour moi. Alléluia. Mais voilà, tant qu'on veut le conseil, merci. Alléluia. Conseil, merci, mes amis. Tant qu'on veut le bénir, dis-toi que tu n'es pas seul. Alléluia. Il a mis tes anges à ton service pour toi. Alléluia. Il y a des flèches maléfiques que l'ennemi envoie, mais les anges les décalent. Parce qu'ils sont d'abord à ton service. Et ils voient les choses invisibles. Quand l'ennemi envoie les flèches maléfiques, les anges sont là pour veiller sur ta vie. Sur toi. Et les anges écartent tous les dangers. En fait, toi, tu marches la tête haute. Ce n'est pas toi, c'est Dieu, parce que nous avons eu. Alléluia. Parce que c'est la que je dis, il t'a formé un vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Oh là là, t'es bien-aimé. Devant n'importe quelle situation, il t'a dit, non, Dieu m'aime. Si je le connais parce qu'il m'aime, recommande-toi à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Devant n'importe quelle situation, recommande-toi à l'Éternel. Et tu donneras ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais ma mère, laisse-moi te dire, aucune tribulation ne peut contenir la puissance de Dieu. Alléluia. Ni quand vous m'en côté, problème est mon côté, et l'équipe dans la magasse. Si la Bible déclare, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur, cela veut dire que tout problème fléchit les genoux devant Jésus. Toute maladie fléchit les genoux devant Jésus. En Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de situation difficile. Alléluia. Mais pendant que Pierre était en prison, gardé par les quatre bourreaux, quatre gars protégés, mais Dieu les a surpris. Il a envoyé un ange. Alléluia. Elle dit non, pour faire des livres, on fout mon serviteur. Il faut que je touche les fondements. Alléluia. Le fondement c'est pour aller. Non, je ne viendrai pas comme un homme. Moi je viendrai comme un Dieu. J'envoie l'ange pour aller le fondement. Quand le fondement s'est écoulé, Pierre est dehors. À sa mort du grand Dieu. Alléluia. Il ne trompe pas ce grand Dieu. Il est le Dieu tout puissant qui ne trompe pas. Alléluia. Ma
notre Dieu, c'est Dieu merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous dit la livre de Corinthiens 2:15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Bien-aimé, nous savons l'odeur de Jésus. Bien-aimé, Jésus nous a donné son odeur. Quand tu marches, marche la tête haute. Et bien, quand tu vois les canards, que personne ne fasse la peine. Quand tu portes sur toi la marque de Jésus, que personne ne t'encre, mais te fasse la peine. Car tu portes sur toi la marque de Jésus. Marche la tête haute, bien-aimé. Malgré les tribulations, malgré tout ce qui t'entoure, marche la tête haute. Sache que la Bible déclare que personne ne me fasse la peine. Car je porte sur moi la marque de Jésus. Bien-aimé, il y a le fois de combat que tu livres, c'est parce que tu as la marque de Jésus. Alléluia. Là où les ténèbres, parce que toi tu as la marque, toi tu n'as pas les yeux pour voir une fois ce que toi tu as. Il faut les toiles que toi tu as. Dès que tu as franchi une porte, les autres entrent, les autres arrivent, tout le monde le sait, c'est fini. Parce qu'ils voient, tu vois les étrangers. Alléluia. Parce que la marque que tu as de Jésus les dérange. Parce que tu n'es pas le leur. Alléluia. Et ils ont les yeux qui ont 6 000 sous. Par contre, la calma qui est là-bas. Mais ils ont mis pour l'entier. Mais eux, ils voient l'étoile qui est en toi. La marque de Jésus qui est en toi. S'ils te disent, ah, t'es mon dans mon âme sauté. Alléluia. Mon dos est votre âme, mon âme sauté. Parce que tu portes sur toi la marque de Jésus. Marche à tes hautes mains. Qu'il pleuve, qu'il neige. Le problème n'est pas les états sécurisés. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ne promène pas les regards, c'est qui? Marche à tête haute. Tu es un Dieu qui est invincible. Alléluia. Il est le Dieu invincible, bien-aimé. Nana pour la dire. Alléluia. Ce qui est encore mis à l'eau pour la dire. Alléluia. Nana, mon être dans le milieu de la terre, mon salaire ne sera pas comme ça. Alléluia. Parce que quand il lance le défi, pas pour eux, il lance le défi pour Dieu. Il sait que Seigneur, moi je lance le défi. Mais le combat, ce n'est pas en mode combat. C'est toi qui dois combattre. Parce que tu as dit ta parole. Je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Moi, je libère sa parole. Mais toi, tu as compris la parole. Alléluia. Parce que Dieu a été sa parole pour accomplir. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Quand je libère une parole, c'est Dieu qui a compris la parole. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Mais bien, notre Dieu, c'est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu incrit. Mais les promesses n'est pas les grâces de Dieu. Même si on ne se mange pas. Dis-le que non. Dieu m'a formé un vase d'honneur. Alléluia, je ne pleure pas. Demain, je vais sourire. Aujourd'hui, je pleure. Mais demain, la rosée. Alléluia, ne crois-tu pas que les ténèbres ne régneront pas toujours. Toujours les ténèbres ne régneront pas. Les autres ténèbres dans ce cas, le but est là. Alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses que Dieu a fixé d'avance. Alléluia, les ténèbres ne régneront pas. Dis-toi que la situation que je traverse aujourd'hui, demain, il y aura une solution. Cette situation te mettra fléchir les genoux. Même si va l'homme qui va s'arrêter, qui va démontrer, qui va donner un seul village, va te l'aimer. Il va dire demain, là, c'est ça. Alléluia, parce que celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est avec eux. Alléluia. Dis-toi que Dieu est puissant. Ne sous-estime pas. Dis-toi que Dieu nous a créé et donné face d'honneur. Je suis puissant. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Je marche à tête haute. Ne promets pas les grâces de Dieu. Comment on va en bâtir? N'aie qu'un point. Alléluia. N'aie qu'un point. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi seulement et prends courage. Malgré les temps que tu traverses dans les tribulations, toi tu te fortifies. La tribulation est là, mais toi tu te fortifies. Tu ne baisses pas les bras. Les diables attendent que tu ne baisses pas devant les tribulations. Mais toi, tu te fortifies. Donc, si tu vois les gars, attends de passer du désert, le Seigneur déclare. Je ferai un chemin dans le désert en fait que tu traverses. Alléluia. Dans Israël, dans le désert, dans un mal. Mais tant qu'on va tourner, nous en haut, et pas mon courrier, mon goût, c'est ma cause. Maïs dans le désert. Alléluia. C'est donc laquelle il est. Mais même si le désert est en dans ta vie, sache que Dieu est capable de faire un chemin pour que toi tu passes dans le désert. Il est capable, Père le même, d'ouvrir une source dans le désert pour que tu boives de l'eau. Parce qu'il est Dieu. Rien de mieux que possible. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est le Dieu tout puissant qui commande tout l'univers lui obéit. L'univers, la terre lui appartient. Alléluia. Même les phénomènes naturels obéissent à ses grands yeux. À combien de fois de raisons, même le vent a obéi à Jésus. Alléluia. Le vent a obéi à Jésus. Quand la maladie, quoi, il y aura la grande. Alléluia. Maladie, quoi, la grande. Comment vous trouvez un malade dans la bonne et amour, refuse ça. Alléluia. La déclare pas de malade dans la terre, refuse d'amour. La déclare la mort et la vie sont pour faire la langue. Dis donc que est à manger le fruit.
Ça veut dire que ce que tu déclares dans ta vie, c'est qui t'arrive. Alléluia. Quand nous nous avons dit, alléluia. Ce que je tiens, c'est qui m'arrive. Ce que toi tu déclares, c'est qui t'arrive. Alors, le malade, il en a. Ça veut dire que tu t'as promis cette maladie. Et vous allez, c'est mon malade en bas. Il refuse à nous. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes le fruit de notre bouche. On a fouillé la bonne oreille. Alléluia. Comme beaucoup de gens disent, la route s'y a pas toi. Mais la route s'y a pas toi. Donne la route s'y a pas toi. Alléluia. La route s'y a pas toi. Donne la route s'y a pas toi. Alléluia. Mais la magie est pas de ça. Ce qu'on a la magie dans le monde. Alléluia. La magie est témoignage. Ils ont perdu une foi. Alléluia. La route s'y a pas toi. Donne la route. Les premiers à la carte. Les derniers à la carte. Les chers à la carte. Nous sommes à la carte. Alléluia. Allez, chèque. Je ne vais pas la carte. Je vais aller à la carte. Alléluia. 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 Nous avons un truc pour l'ennemi. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous voulez que notre Dieu nous a appelés pour son œuvre. Il nous a fait des vases pour sa gloire, pas pour notre gloire. Alléluia, c'est que Dieu a mis en nous pour sa gloire. Alors, nous devons savoir une chose que dans son œuvre, pour cela, nous devons avoir besoin de l'aide. Notre aide, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit du Saint-Esprit. Alléluia, si le Saint-Esprit est avec nous, nous marcherons de gloire en gloire. Quand la Bible déclare, marchez sans l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia, si tu as l'esprit de discernement, tu peux discerner le bien et le mal. Alléluia, tu peux savoir, non, dans cette maison-là, c'est dans cette maison de nourriture. Je ne peux plus mettre mes pieds dans cette maison. Alléluia, tu vas d'ailleurs. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas entrer là où la gloire de Dieu s'est manifestée et tu attires la malédiction vers toi. Alléluia, ça doit être l'esprit. Nous devons faire vos mots attention. Donc, ne n'attristons pas les Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons marcher sur l'esprit comme on déclare. Marcher sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Nous savons bien que les désirs de la chair, quand tu vois dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 19, on a les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Marcher sur l'esprit. Et bien, quand tu marches sur l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui communique et le fourmi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand il vit en toi, il te communique le fruit de l'esprit. Alléluia. Quand tu vois le livre de Galates chapitre 5, verset 22, il dit le fruit de l'esprit, la tempérance, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Bien-aimé, aux hommes de Dieu, moi, pour moi, nous avons la mission pour vous soutenir. Alléluia. Alors, nous avons la question, nous avons la question, nous avons la question. Alléluia. Dieu te prive de te demander des choses parce que aux hommes de Dieu, moi, pour moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore franchi. Quand le Saint-Esprit va t'affranchir, il va emmener en toi la maîtrise de soi. Il va enlever la colère, il va mettre la joie. Il va mener la tempérance, la bienveillance, la joie, la foi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, quand il a franchi une personne, il ne vient pas tout seul. Alléluia. Vous remarquez beaucoup de gens qui ont l'Esprit, qui vivent avec l'Esprit de Dieu, ils ont la maîtrise de soi. N'importe qui, tu peux le provoquer, mais il se rigole. Alléluia. Et tu peux le provoquer, mais il ne se fâche pas. Parce qu'il comprend plus. C'est que l'autre veut, il veut me faire tomber, mais moi je ne tombe pas. Alléluia. Il discerne déjà ce que l'autre veut, mais comme il a l'esprit de Dieu, il voit. En outre, il a la maîtrise de soi. Il se maîtrise pour ne pas faire la maîtrise. Il se maîtrise parce qu'il est fidèle en lui. Alléluia. Nous devons savoir que l'aimé, c'est Dieu qui nous forme le vase. Ne pas se former par Dieu pour sa gloire. Alléluia. Dieu nous forme pour sa gloire. Il ne forme pas pour notre gloire à nous, mais pour sa gloire. Il nous crée, il nous appelle vers lui, pour que nous travaillions pour lui, pour gagner des âmes pour lui, pour sa gloire. En revanche, nous avons hérité le royaume. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a appelé. Il y a plusieurs façons de vases. Il y a des vases qui contiennent autre chose. Il y a des vases qui contiennent d'eau. Comme l'écrit le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi. Étant une vase d'honneur, tu dois contenir de l'eau dans ta vie. De l'eau, c'est quoi? De l'eau, c'est la parole de Dieu. De l'eau, c'est à propager le message de Dieu. À gagner les âmes, à parler de ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux gagner les âmes? Alléluia. Tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux résister comme un démon? Alléluia.
Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Le diable n'a pas peur, il n'a pas eu peur de Jésus. Jésus faisait un jeûne, Luc chapitre 4. Jésus faisait un jeûne de 40 jours. Mais le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il s'est approché de lui pour tomber Jésus. Mais comme Jésus, il lui-même est la parole. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il ramenait au diable la parole de Dieu. C'est ça qui a fait la force de Jésus pour vaincre le diable. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, ça sera difficile pour toi et ton enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur. Notre chemin n'a peur de la parole. Alléluia. Il sait que la parole, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu lui parles la parole, le diable n'a peur de la parole. Parce que Dieu, c'est lui que je combats, il connaît. Il connaît ses droits. Quand tu connais ses droits, tu rappelles au diable, il est écrit. Le diable n'a peur de toi. Alléluia. Quand tu rappelles au diable, il est écrit. Tout genou fléchira. Ah bien, la maladie, on a tout ça, sa guérison est parfaite en moi. Tu déclares. Mais même, le diable est fort. Mais moi, mon maladie me reste dans le maison. Il faut les autres dégâter. Alléluia. Faut les autres dégâter. Parce que quand tu es un grand Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu, tu comprends ces manigances. Parce que le vase que tu nous as formé, il t'a mis en toi la foi, le maîtrise de foi. Il a mis beaucoup de choses en toi, les Saint-Esprit à toi. Et mais tu as la facilité de décoder les ruses du malin. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas le temps de comprendre. Mais parce que toi, si tu vis, c'est qu'est-ce qui met en toi. C'est-à-dire que tu marches, mais c'est qu'est-ce qui met en toi. C'est-à-dire que tu fais un effort de ne pas faire du mal. De marcher sur la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu écrit. Quand tu te réjouis, et tu donnes encore la force de résister. Alléluia. Quand tu marches sur la volonté de Dieu, Dieu te fortifie encore pour ne pas tomber. Parce que le but du malin, c'est que nous puissions tomber. Alléluia. Pour que nous puissions perdre la foi. Bien-aimé, j'ai dit un jour à mon frère Jospin, le diable s'est réjoui, il force Jésus. Mais t'es qu'à la trompette. Alléluia. Parce qu'il sait que le moment, en ce moment-ci, si Jésus sonne la trompette, beaucoup d'âmes iront en captivité. Mais comme c'est lui qui a créé les âmes, il a les soucis des âmes. Le diable n'a pas les soucis des âmes, parce qu'il n'a pas créé. Il n'a jamais créé. C'est un futur. Alléluia. Mais comme c'est lui qui a créé, il prend le temps de laisser aux gens de se répentir, de changer leur vie. Afin que tout et chacun de nous soit dans la gloire un jour. Mais ce n'est pas le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi, Tant de vases d'honneur. Alléluia. Nous avons un seul vase d'honneur, mes amis.